La boule à Yendoy, c'est la petite surprise là. Et Kajamikin sur le banc côté Manso. Valentin Chéri, le premier dunk de cette partie. Et rentré. Oh, bien joué, bien joué. Il est solide sur ses appuis. On s'arrache pour récupérer. Willie Gueté. Et c'est George Carlton qui est venu mettre ce stop. Et Endoy, de l'autre côté, Le Mans en contre-attaque. Avec Abdoulaye Endoy, Naras repoussé, mais il va le mettre, Williams Naras. Quelle première mi-temps de Williams Naras de retour pour son premier match de Betclic Elite. Le voici servi à l'entrée de la raquette. Il a retrouvé Terry Tarpa qui n'a pas pu prendre de vitesse. C'est bien fait, bien coupé. Les Monceaux sont loin, il reste 3 secondes. Obligé de prendre ce tir et de mettre ce tir magnifique, Matt Morgan. Limoges CSP pour Javante Hawkins. Oh, il a les mains qui montent en température, Matt Morgan. On va surveiller Matt Morgan pour ne pas le laisser prendre feu. Là, c'est Terry Tarpe qui a été trouvé dans les airs jusqu'à Endoy. La belle combinaison Mansell qui va être conclue par un N1, le tir bonus. Matt Morgan, on ne veut pas, absolument pas qu'il prenne feu. Alors, on le suit de près, Matt Morgan. Le panier va être accordé. Et Wes Clark est relancé, logiquement. Il a aussi contesté, mais il le met, son tir face à Matt Morgan. Le 3 points qui va faire du bien. Oh, regardez. Oh là là, c'est beaucoup trop facile. Il a complètement été oublié, Abdoulaye Endoy. Et 26 rebonds, dont 6 rebonds offensifs. Mais c'est surtout là, dans ce troisième quart-temps, qu'on a l'impression que les Manceaux sont davantage dominateurs. Naras, une nouvelle fois dans ses œuvres, la puissance de Williams Naras. Oh, not in my house, le contre magnifique sur cette tentative de dunk. Ils ont bien scouté, bien travaillé sur cette équipe, hein, les joueurs d'Elric Delors, même si là Matt Morgan va perdre la balle un peu trop facilement. Et le layup qui rentre ensuite. Il y a quand même possibilité de revenir dans ce match encore. On l'a vu à chaque fois. Le CSP est repassé. On recherche sous le cercle Josh Carlton. C'est presque trop facile. Il fait parler sa puissance et sa taille, Carlton. Et vainqueur de l'Eurocup, évidemment, avec Monaco. Nico Lang. Ah, ça rentre toujours pas. Pas en réussite, mais c'est bien suivi derrière. Voilà. Et c'est terminé, Le Mans signe un deuxième succès en temps de rencontre en championnat. Et quel succès ce soir sur le parquet du Limoges CSP.